Alléluia, alléluia. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacun d'entre nous. Bienvenue dans ce temps de prière, dans cette heure, dans sa présence. Là où tu es, là où tu es, est-ce que tu peux juste commencer à te disposer ton cœur dans sa présence. Nous sommes connectés pour passer une heure dans sa présence. Seigneur, quelle grâce. Ah, est-ce que tu peux élever la voix?
Cherche, 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 c
Il est présent par son esprit. Il est présent par son esprit.
qui maître des courriers, celui qui règne, celui qui a les commandes de ta vie, celui qui donne les directions auxquelles tu obéis, car tu es, tu es. Ah Seigneur, tu es celui qui a triomphé, que tu sois celui qui triomphe de nous, afin que nous soyons celui, nous soyons de ceux qui t'obéissent. Ah, tu es, tu es, tu es. Quand il y a rêvassé, parce que lorsque tu le lui diras, alors cela se manifestera. Si c'est ton aspiration, dis-lui, ne reste pas la bouche fermée. Dis-lui qu'il est pour toi. Même si c'est pas encore réel, dis-lui ce à quoi tu aspires. Est-ce que tu aspires à ce qui règne dans ta vie? Est-ce que tu aspires à ce qui dirige toute ta vie? Dis-le-lui. Parole. Lorsque
dans le livre de Luc, vers chapitre 17, à partir du verset 11. La Bible dit que Jésus était en route pour Jérusalem. Il est passé par un village. Et là, il a rencontré 10 lépreux. Et dans ces 10 lépreux, il disait, Seigneur, aie compassion de nous, purifie-nous. Et Jésus leur a dit, allez, repartez, rencontrez vos maîtres. Et pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, les 9 autres ont continué leur chemin. Mais il y en a un qui est revenu et qui a dit, je te rends grâce de ce que toi tu m'as guéri. Ce lépreux était tellement conscient de la grâce qui était la sienne, parce que ça faisait des années qu'il était lépreux et personne n'avait fait pour lui ce que Jésus avait fait ce jour-là. Il s'est dit en lui-même, je ne peux pas repartir comme si de rien n'était, comme si c'était un fait banal, comme si c'était normal que je sois guéri. C'est pas normal que je sois guéri parce que je suis lépreux depuis tant d'années, mais il m'a fait grâce. Alors il est reparti vers Jésus pour dire merci. Et Jésus lui a dit, n'étiez-vous pas 10? Il n'y a que toi qui es revenu. Et la Bible nous dit dans ce passage qu'en plus de la guérison, il a dit, va, tu es sauvé. Ah, bien-aimé, le fait de t'arrêter, de revenir vers Jésus, de dire, Seigneur, je te dis merci. Au-delà de ce qu'il a accompli pour toi, l'action de grâce a cela de particulier. Que lorsque tu t'arrêtes pour dire grâce, Dieu multiplie. Lorsque tu t'arrêtes pour dire grâce, Dieu rajoute des miracles. Lorsque tu t'arrêtes pour dire grâce, tu réjouis le cœur du Père. Comment ne pas te louer?
à l'intérieur de nous. Là où tu étais ingrat hier, aujourd'hui le Saint-Esprit, par la parole qu'il envoie, par les enseignements qu'il envoie au travers de son serviteur, est en train de faire de toi une personne reconnaissante. Ta culture de l'action de grâce est en train de s'établir à l'intérieur de toi. Le fait que cette culture s'établisse à l'intérieur de toi, tu deviens comme ce seul lépreux qui est reparti vers Jésus pour dire non, 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 non. Moi, je n'ai pas à prendre ça comme un acquis. Je n'ai pas à prendre ça comme étant quelque chose de normal. C'est ça que procure, c'est ce que fait la culture de l'action de grâce. La culture de l'action de grâce te change de l'intérieur. La culture de l'action de grâce te fait voir la vie comme un don de Dieu. La culture de l'action de grâce te fait rendre grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. La culture de l'action de grâce te fait donner à Dieu ce qu'il t'a donné. La culture de vendre, la culture de l'action de grâce te fait reconnaître que tu dois prendre soin de toi parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que c'est une grâce qui vient de Dieu. Alors élève la voix et commence à lui dire merci pour la culture de l'action de grâce que le Saint-Esprit est en train d'instaurer à l'intérieur de toi et de moi. Akaya de Baba Sata, Tekia de Baba Sora. Seigneur, merci pour la culture de l'action de grâce. Seigneur, cette habitude que tu nous donnes de te reconnaître en toutes choses et de te dire merci pour toutes choses. Ah Seigneur, merci de ce que tu nous transformes de l'intérieur, de ce que Père, nous ne sommes plus ces enfants égoïstes et qui pensent que tout leur est dû, ces enfants gâtés, pourris et qui pensent que tout leur est dû. Ah non Seigneur, non. Ah Père, tu nous fais croître en grâce, en stature et en sagesse devant toi et devant les hommes, en inculquant nous Seigneur cette culture de l'action de grâce. Nous te sommes reconnaissants parce que même te rendre grâce, c'est encore une grâce qui vient de toi. Ah Seigneur, merci pour la, pour le changement de notre système de pensée. Merci pour la transformation, Seigneur, la transformation de ce système de pensée. Ah, Kaya de Baba Sota, c'est bien ce que tu es en train de lui dire merci du fait qu'il est en train de capable de rendre grâce. Kaya de Baba Sota, Kaya, c'est chez de Baba Sota. Ah Seigneur, merci pour cette culture que tu es en train d'instaurer à l'intérieur de nous. Ah Seigneur, merci de ce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, dans ces mauvaises habitudes que nous avions, Seigneur, dans notre passé, dans notre belle manière de vivre. Ah non, Seigneur, par la culture de l'action de grâce, tu es en train de nous faire réaliser que tu es la source de toutes choses, que tu es la source de toutes choses en nous. Aya de Baba Sata. Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce du fait qu'il met en toi la culture de l'action de grâce? Ah, alors que cette culture de l'action de grâce est en train de prendre racine à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu rends grâce, le Père fait des choses extraordinaires dans ta vie. Des tas de choses, même là où tu ne l'avais pas demandé, comme pour le lépreux. Le lépreux était juste venu dire merci et tu as rajouté à sa vie. Il était juste venu dire merci. Et tu as rajouté, et de la même manière, tu as rajouté à sa vie. Tu peux être certain qu'avec cette culture d'action de grâce, Dieu va rajouter à ta vie dans le nom de Jésus. Alors rendez grâce. Prends tout pour un Dieu.
culture de l'action de grâce. Fais que Dieu multiplie les choses entre tes mains. Ah, lorsque le Père a multiplié les 5 pains et 2 poissons, c'est parce que Jésus avait élevé la main. Il avait élevé les 5 pains et 2 poissons, disant: Père, nous te rendons grâce. Et lorsqu'il a fini de rendre grâce, la Bible dit qu'il y a eu multiplication des pains et des poissons. C'est cela la nouvelle vie, la vie de multiplication produite par l'action de grâce. La semaine d'avant, nous avons parlé, le Seigneur nous a parlé au travers des 4 visages de l'Église. Nous avons eu la Pâque, nous avons eu... Ah Seigneur, il y a tellement de paroles que le Seigneur est en train d'envoyer dans ce temps de confinement. Il parle plus que jamais au cœur de ses serviteurs et au cœur de son peuple. Alors oui, tu dois bénir le Seigneur pour le temps de confinement, parce que la parole qu'il envoie est une parole qui nous prépare, une parole qui nous force à nous raser en rétrospection, une parole qui nous force au changement, qui nous force à prendre des résolutions. Ah Seigneur, alors rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. C'est cette parole qui transforme ton cœur. C'est cette parole qui... La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. La parole de vérité. Le Seigneur est en train de nous bombarder de cette parole de vérité. Qui nous libère.
libère des faux raisonnements, qui nous libère des faux raisonnements, qui nous libère de la séduction de nos propres pensées. Ah Seigneur, merci pour la parole qui libère, merci pour la parole que j'envoie. Seigneur, tu es en train de parler à ton église, et je dirais même plus, tu es en train d'avertir ton église, tu es en train d'avertir ton église du fait que tu reviennes bientôt. Ah Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole, pour la profondeur de la parole, pour l'inspiration, pour la façon dont tu parles à tes serviteurs. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la parole qui transforme. Merci pour la parole qui relève. Elle secoue, Seigneur, mais elle secoue dans le bon sens. Elle secoue pour nous ramener à toi. Elle secoue pour nous ajuster. Oh Dieu, merci. Élève la voix là où tu es. Et rends-lui grâce pour la parole. Rends-lui grâce pour cette parole qui te fait sortir de la vie du péché, qui te fait sortir de tous ces liens où le diable t'a emmené. Rends-lui grâce pour cette parole, parce que cette parole est à la capacité de sauver ton âme, de sauver son âme. Ce n'est pas le fait que tu as la vie qui sauve ton âme, non. Non, ce n'est pas le fait que tu jeûnes qui sauve ton âme, non. Ce n'est même pas le fait que tu pries et encore moins tes offrandes. C'est l'obéissance à la parole. Merci. Kayare baba so, kayare baba sata, te kayare baba so takaya. Ah Seigneur, rends-lui grâce de ce que par cette parole, l'Église est en train de se purifier. Il purifie l'Église par sa parole. Ah Père, merci de ce que tu purifies l'Église par ta parole. Tu es en train de laver la robe de ton Église. Tu es en train de laver la robe de ton épouse. Kayare baba sata, kayare te, te kayare baba sata kaya. Ah Seigneur. Par ta parole, tu nous prépares à ton retour, tu nous prépares à l'enlèvement, tu nous prépares à la résurrection. Akayare baba seta, tekeare, rends-lui grâce, parce que dans ce temps de confinement, il rend ton cœur beaucoup plus disposé à l'obéissance, beaucoup plus disposé. Dans ce temps de confinement, tes oreilles sont beaucoup plus aiguisées. Akayare baba seta, Seigneur, merci, merci pour ce Seigneur. Amen. Tu es en train de circoncire nos cœurs par ta parole. Tu circoncis nos cœurs. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la parole. Nous te rendons grâce pour la parole. Ah, rends-lui grâce parce que c'est cette parole qui permet que l'Église se réajuste. Rends-lui grâce. Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce? Au travers de la parole qu'il envoie, il est en train de faire en sorte que tu te réajustes, ah, et que ton cœur revienne à lui complètement, que ton cœur revienne à lui entièrement, que tu ne sois plus un pied dedans, un pied dehors, que tu ne sois plus un petit Dieu, que tu sois Seigneur, que tu sois complètement, complètement en lui, complètement en lui. Avec sa parole, il est en train de te ramener le pied qui est à l'extérieur, il est en train de ramener la partie de la tête qui est à l'extérieur, il est en train de ramener le bras qui est à l'extérieur, afin que tu rentres pleinement dans sa présence. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Kayare baba seta. Kayare baba sota kaya. Tekeyare baba baso. Kayare baba sata. Tekeyare baba. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Kayare baba so. Oh Dieu, Seigneur, merci.
travers de cette situation, son église. Ah, nous allons prier pour les prières. Nous allons rendre grâce pour les prières qui ont été exaucées. La Bible dit, dans Jean 17, au verset 11, la deuxième partie, Jean 17, verset 11, la Bible dit ceci. Personne garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. C'est Jésus qui est en train de prier le Père, pour toi et pour moi. Cette prière nous concerne. Jésus a dit au Père, alors qu'il était en train de partir, personne garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Nous allons encore prendre le temps de lui rendre grâce pour les prières qui ont été exaucées. Encore particulièrement pour ce temps de confinement. Le Seigneur a fait tourner cette circonstance en la faveur de son royaume. Alors que le monde était perdu, le Seigneur a inspiré au cœur de son serviteur que l'Église puisse s'unir. Et ça, c'est un exaucement, les amis. Une puissante Église connectée pour crier au Père, pour un seul et même but, qu'il soit vu, qu'il soit reconnu. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et rendre grâce à Dieu de ce que l'Église, le corps de Christ, a résolu, a commencé? Oui, c'est vrai que c'est un petit commencement, mais la Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. De ne pas mépriser les faibles commencements. Alors commence à rendre grâce de cette unité au sein de le corps de Christ. Cette unité, Seigneur. Ah, nous te disons merci pour les prières exaucées. Seigneur, cette prière, tu as commencé à l'exaucer. Jésus a dit que ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes un, toi et moi. Ah Seigneur, merci pour l'unité de l'Église. Seigneur, tu as permis qu'au travers de cette pandémie, plus près de 800 églises s'accordent pour un seul et même objectif. Élever ton nom de par toutes les nations. Élever ton nom en intercession, Seigneur. Et de dire, Père, viens régner. Ah, Kaya de Babassa. Seigneur, merci. Merci pour l'unité du corps de Christ. Est-ce que tu es en train de rendre grâce de ce que le corps de Christ, de ce que l'unité dans le corps de Christ, que le Seigneur, au travers de cette situation, a uni son Église. Ayale Baba Sata, c'est une heure d'action de grâce de tout ce qu'il a accompli. Tu dois pouvoir t'arrêter et dire Seigneur, merci. Ah, merci Seigneur. Nous t'avons tellement demandé cela. Nous avons tellement prié à l'unité du corps de Christ, à l'unité du corps de Christ. Pas seulement l'unité du CC, Seigneur, non, mais le corps de Christ. Ah, Kayale Baba Sata, merci de ce que toi qui es le Dieu qui entend les prières, tu es aussi le Dieu qui exauce les prières. Kayale Baba Sata, Kaya, Kayale Baba Sata. Ah, rends-lui grâce. C'est une heure d'action de grâce. C'est une heure d'action de grâce pour la puissance qu'il est en train de libérer. Kayale Baba Sata, Kaya. Ah Seigneur, merci pour la puissance, pour cette montée de prière qui a été érigée au travers de ces 3 jours de jeûne et de prière. Père, tu as convoqué ton Église pour dire, vous devez vous mettre ensemble afin de combattre cette pandémie. Ah, Kayale Babassa, Seigneur, merci pour cette autel qui parle aujourd'hui. Ah, Kayale Babassa, Kayale de prière. Ah,
au travers de ce temps, la puissance du Père, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la Bible dit dans le psaume 8, au verset 2, la Bible dit ceci: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alors que la Bible, Jésus a dit, alors que le corps de Christ est uni, là, Dieu s'est levé, nous le croyons. C'est pour ça que nous prions pour les prières exaucées. Nous rendons grâce pour les prières exaucées. La Bible dit dans ce psaume que lorsque les hommes se mettent ensemble, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Ah, nous allons rendre grâce à Dieu pour les ténèbres qui ont voulu commencer à recouvrir la terre et que Dieu a dispersé, que Dieu est en train de disperser toute forme de ténèbres. Il y a tellement de ténèbres qui ont voulu venir envahir ta vie, venir envahir les nations, venir envahir ta famille. Mais le Seigneur, par la puissance de l'intercession, par la puissance de l'unité, s'est levé et a commencé à disperser ses ennemis. Alors nous allons rendre grâce. Nous allons rendre grâce d'abord du fait que l'esprit d'assoupissement, ah Seigneur, là où tu es. Et ce vendredi encore, son serviteur priait par rapport à ça. Quand on parle d'une nouvelle vie, lorsque nous sommes en train de dire Seigneur, merci pour cette nouvelle vie, l'intercession, la prière du juste et la prière commune a fait en sorte que les ténèbres se dispersent. Et la première raison pour laquelle nous allons rendre grâce à Dieu pour les prières exaucées, notamment en ce qui concerne ce point des ténèbres qui se dispersent, nous allons rendre grâce à Dieu de ce que les ténèbres de l'assoupissement spirituel se dispersent. Ah, selon la parole qu'il a mis à son serviteur vendredi, nous allons rendre grâce à Dieu de ce que les ténèbres de l'assoupissement spirituel. Et parce que les ténèbres de l'assoupissement spirituel se dispersent, c'est pour cela que tu es connecté à cette heure de prière. Parce que l'esprit de prière t'a rempli, t'a ragaillardi. L'esprit du Seigneur est venu te fortifier. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu de ce qu'il a dispersé, de ce qu'il a dispersé les ténèbres de l'assoupissement spirituel. Rends-lui grâce. Tu dois lui rendre grâce. Ne crois pas que le fait de te connecter là à ce temps de prière, c'est un acquis. Non, ce sont les ténèbres de l'assoupissement que Dieu a ôté de ta vie par la puissance du nom de Jésus. Alors élève la voix. Kaya, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Kaya, les babasata. Kaya, les babasata. Rends-lui grâce pour cette ténèbre qui a dispersé de ta vie. Kaya, les babasata. Kaya, les babasata. Notre vie de prière, tu as revitalisé, Seigneur, notre désir de te servir. Ah, l'assoupissement qui nous tenait, Seigneur, l'assoupissement qui nous empêchait de prier, l'assoupissement qui nous empêchait d'être créatifs, l'assoupissement qui nous empêchait, Seigneur, de te servir avec zèle. Seigneur, tu as ôté ces ténèbres de nos vies et nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus. Nous te sommes reconnaissants, reconnaissants, nous voulons prendre le temps de te célébrer. Nous présentons devant toi pour dire que tu es Dieu et que tu as toute puissance sur nos vies. Ah Seigneur, merci pour l'esprit de prière. Merci pour le zèle de la prière. Merci pour l'empressement de rentrer dans ta présence. Pas seulement dans les temps communs où tout le monde se connecte, mais aussi en intimité. Ah Seigneur, c'est toi qui as créé en nous le vouloir et le faire par ton bon plaisir, selon ton bon plaisir. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as mis en nous ce désir. Alors que tu as ôté l'esprit de rempli de passion, d'amour, de zèle, de soif, pour être dans ta présence. Seigneur, merci. Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce? Plus tu lui rendras grâce, plus tu auras envie de venir dans ta présence. Plus tu lui rendras grâce, plus tu auras envie de passer du temps dans sa présence. Kaya de Baba Satara. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Kaya de Baba Satara. Au cours de ta présence. Ah, Seigneur, merci. Merci. Kaya de Baba Satara. Ah, c'est une nouvelle vie. Ah, tu peux la venir, merci. Merci, merci, Seigneur.
infirmité. Ah, je redis encore. La Bible dit dans le psaume 68, verset 2. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alors que tu es présent devant sa face, il n'a pas seulement ôté les ténèbres de l'assoupissement spirituel, mais il a aussi brisé l'emprise de l'esprit d'infirmité dans ta vie. Ah, tu dois lui rendre grâce là où la maladie pourrait t'emporter. Quel que soit le nom de la maladie, COVID-19 ou autre, ou cancer, ou asthme, quel que soit le nom de la maladie, la Bible, il t'a rendu, il a ôté l'emprise de l'esprit d'infirmité. Alors prends le temps de lui dire merci. Prends le temps de lui dire merci. Parce qu'être en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ça montre que sa main est sur ta vie. Alors oui, les ténèbres se sont dissipées. Les ténèbres de l'esprit d'infirmité les a brisées, les a ôtées. Dans la puissance du sang de Jésus. Dans la puissance du sang. Ah, ah, rends grâce. Rends grâce pour la vie, pour cette nouvelle vie. Cette santé divine, c'est une nouvelle vie. Pour cette nouvelle vie, rends-lui grâce pour cette nouvelle vie. Ah Seigneur, merci de ce que tu as brisé l'emprise de la maladie sur ton cœur. Ah Seigneur, ah Père, merci pour la puissance du sang. Alors que ton peuple a élevé la voix pour brandir le sang a parlé sur ton peuple dans le nom de Jésus. L'esprit, les ténèbres et l'esprit d'infirmité sont passés par-dessus dans le nom de Jésus. Et tu as préservé ton peuple. Qu'il a déversé dans ta vie. La
perse, la grâce de persévérer, d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. On l'a vu avec le lépreux. Si tu commences à lui rendre grâce de ce que tu persévères, tu tiendras jusqu'au bout. Il rajoutera, il va rajouter cette capacité. Cette grâce va augmenter, augmenter, augmenter. Alors on est grâce. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui vient relever encore une fois de plus ton peuple. Seigneur, merci pour la grâce que tu as déversée au travers de ta parole. La grâce de persévérer, de payer le prix, de combattre le bon combat et de franchir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, Seigneur. Ah, nous te disons merci. Parce que tu ne me laisses pas, Seigneur. Tu as dit, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Et Seigneur, tu me prouves encore par la qualité de la parole que tu envoies par ton serviteur. Ça veut dire que tu ne veux pas nous voir être perdus, mais tu veux nous voir être enlevés. Assis, Seigneur, être participants de la résurrection. Seigneur, vraiment, nous te rendons grâce pour la grâce de persévérer, pour la grâce d'aller jusqu'au bout, pour la grâce de gagner la course, pour la grâce d'avoir la couronne de vie. Nous te rendons grâce parce que tu le fais en nous, Seigneur. Au travers de ta parole et de ton esprit. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Cette nouvelle vie. Ah. Merci. La grâce de persévérer. D'avoir, Seigneur, pour objectif. Merci. D'être en nous. Et de régner avec toi. Et de régner avec toi. Nous disons merci. Merci. Nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci. Merci. Cette nouvelle vie, cette vie de l'épouse qui se prépare, qui se prépare. Seigneur, merci. Merci. Et le sang de Jésus a été versé afin que ton église, Seigneur, soit enlevée, Père, Père. Seigneur, merci, merci, merci. Merci. Cette nouvelle, la vie, Seigneur, qui nous confère l'assurance de te régner avec toi. L'assurance, parce que tu rends nos cœurs obéissants. Nos cœurs obéissants. Cette nouvelle vie, les enjeux de cette nouvelle vie. Seigneur, merci de ce que c'est toujours.
toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la